l'idée germait dans nos esprits de monter un duo, puis après on invitera des gens, et puis le but du jeu c'est qu'ils trouvent leur place dedans et qu'il se passe quelque chose de musical. Band of Dogs, donc Jean-Philippe Morel et moi-même, avons le plaisir d'inviter ce soir Émile Parisien. Bruno Huder. Marc Ducret. C'est pas forcément l'idée du tapis rouge pour qu'une diva chante devant. L'idée du trio, c'est que trois divas se mettent à s'exprimer pleinement. Émile Parisien, Vincent Perani, Bruno Huder, Emmaïk Avis et Marc Ducret. Mais pourquoi ces invités-là? Parce qu'on va leur faire leur fête. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'exposer de toute façon. Il n'y a pas de planque. Si tu joues planqué, tu joues ça à l'économie, t'es mort, c'est foutu, ça sonne pas. Les Dogs, c'est les invités aussi. Et c'est super amical, il y a un côté taquin. L'idée, c'est que ça se mélange en fait, c'est qu'il se passe quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ça devrait être musical, assez musclé par certains côtés, et pas que, parce qu'il va forcément se passer des choses qu'on peut pas nous deux trouver ensemble. On va aussi s'adapter un tout petit peu. Il y a un temps de répète très court pour se sentir un petit peu à l'intérieur de cet univers, et voilà, c'est à chaque fois c'est des one-shots, quoi, de toutes les manières. Ouais, de la prise de risque, vouloir créer tout de suite de la musique comme si elle était écrite alors qu'on a le doute, on dit c'est improvisé là ou... Je dirais que ouais, ça peut être du rock un peu écrit, avec des trucs un petit peu lyriques, et puis des grands moments peut-être de chaos dans lesquels on va se retrouver. Ensemble, soit on joue contre, hein, y a pas 36 000 solutions. Ça va par là, faut que ça aille par là, il faut... Là, y a une part de plaisir à apprendre, à donner, à vivre. Moi, je dirais, viens voir... Bien voir deux gamins qui s'amusent, quoi. Ouais, c'est quand même un peu ça. Nous invitons tout le monde à venir nous aimer. Nous avons besoin de vous.